C'est pas une fille, hein. C'est un trésor que le bon Dieu m'a donné. Il manquera bien quelques jours si elle se marie. Ah, ne m'en parle pas, je sais bien qu'il faut que ça arrive, mais j'aime mieux ne pas y penser. Ou alors, il faudrait qu'elle se marie avec un homme de notre métier. Bonsoir, famille. Bonsoir, Felipe. Bonsoir, Felipe. C'est une princesse, tu comprends. Te vois, toi, d'être le mari d'une princesse, hein? Je ne me vois pas bien, mais j'en ai envie. Ouais. Imagine qu'un jour ici il passe un prince qui me l'emporte dans son palais d'Amérique ou de Toscane. J'ai rencontré une jeune fille. C'est la fille d'un puisatier. J'ai rendez-vous avec elle demain matin. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je voudrais que toi tu ailles à ce rendez-vous et que tu lui dises que je suis parti brusquement parce que j'en ai reçu l'ordre ce soir. Tu verras. Alors, il t'a demandé? Je lui ai dit non. Ça te regarde. Tu attends peut-être un prince, mais des princes, il n'y en a plus. Adessia, la famille! Adessia, Felipe! Père, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose de grave. Voilà une fille un peu trop jolie qui tient ses yeux un peu trop baissés. Si elle tient les yeux baissés, c'est qu'elle a peut-être une raison. Les filles, Pascal, les hommes et surtout leur père n'y comprennent jamais rien. Vous avez refusé la fille et l'enfant. Vous n'avez pas eu raison. Maintenant, cet enfant, ce sera un enfant sans nom. Ma fille, maintenant, c'est la fille perdue. Et même elle est perdue pour moi.